Les amis, bonsoir, bonsoir. Laissons musique là, laissons musique là, mon cher. Mon cher, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui ah, et on va aller regarder Chris, il a pu apposter quelque chose et on va voir vite. Mon cher, je suis allé voir la vidéo là, c'est 5 minutes. Il a écouté la vidéo là. Yeah! On dit Dao est fâché, oh! On dit Dao est fâché. Mais pourquoi je sors là? C'est pour dire que ah, on sait jamais. Prenons tout au sérieux, voilà. Donc, pardonnez, ceux qui n'ont pas encore vu, allez écouter, allez écouter. Il dit que si Dao, les choses, il dit, qu'est-ce que je raconte? On dit Dao dit que si le président Gbagbo ne reste pas tranquille là, lui il va mettre blocus devant sa maison là. Et même, puis même, que s'il ne reste pas tranquille là, lui il va les prendre et puis il va les mettre dans le coin là, en prison, qu'il va les mettre là-bas, que c'est lui qui est le chef. Yeah! C'est dans ça aussi, on dit que le ministre de la Défense et puis l'autre là, le général Apalo, tout ça là, on dit qu'ils se sont rencontrés, oh les amis, yeah! Donc c'est mieux, on va être prudent, on dit, c'est mieux, le président Laurent Gbagbo va être prudent, voilà, parce que ils sont pas contents, ils sont pas contents. Pardonnez, ne le prenez pas encore pour l'emmener quelque part, oh. Pardonnez, nous, on vous demande pardon. Aïe, sabari, oh. Laissez le monsieur pardonner, yeah. Quelqu'un est resté 10 ans en exil, en prison, tout. Il est revenu dans son pays. Il était en prison à Korogo, en Côte d'Ivoire. Après, il est allé chez les Blancs là-bas. On l'a acquitté. Donc, pardonnez. Ayez pitié de lui. Laissez, il va s'exprimer un peu. Vous voyez, non. Il ne fait pas de mal. Oh. Il parle seulement. Il s'évide. Vous voyez, non. Il s'évide. Oh. Parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Parlez là. Entends, c'est vous qui gérez tout, non. C'est vous qui gérez le pays. C'est vous qui avez l'armée avec vous. C'est vous qui avez tout. Lui, il ne fait que parler seulement. Il n'a rien dit. Oh. Il dit, c'est mieux, il va s'évider comme ça. Quand on se vide, on dit la vérité, là, ça guérit. Donc, il veut guérir des plaies qu'il a eues, là. Vous voyez, non. Donc, les gens du restaurant, pardon. Oh. C'est vrai qu'on dit, on ne peut pas manger votre nourriture. Mais pardonnez. Laissez-nous, on fait notre petit restaurant à côté. On mange pour nous. Pardonnez, on gêne personne. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes veulent la paix. Ils veulent la paix. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes veulent la paix. On veut la paix. Donc, pardonnez. Ne cherchez pas encore à créer autre chose. Pardon. Aïe Sabari, oh, Aïe Sabari. Pardonnez, Aïe Sabari. Laissez le président Laurent Gbagbo. Ne cherchez pas à le prendre pour faire quoi que ce soit. Pardonnez. Ayez pitié, ayez pitié. Les amis, non, mais en bas, oh, les amis. Non, mais en bas. On a qu'à faire doucement, doucement. Oh. Yeah! Pardonnez. Nous, on vous demande pardon seulement, c'est tout. Pardonnez. Laissez le monsieur là. Donc, tous ceux maintenant qui assurent sa, voilà, sa sécurité, là, pardonnez, protégez notre président, et voilà, protégez-le pour nous, et puis ça va aller. Si à lui-même, il n'a qu'à changer de coin un peu, de temps en temps, faut pas, il va rester dans la même maison, là. Il n'a qu'à, voilà, dribber un peu les gens comme il fait, là, voilà. Faut pas, il va rester dans le même coin, là. Les gens du, comment on appelle, de Benoît l'attendent. S'il peut aller un peu là-bas, il va aller un peu là-bas. Et puis on fait un peu d'atoukou pour lui donner tout ça. Il va manger un peu de sauce en bota. Ça sera mieux, quoi. Voilà. Comme il est là, Daoukro, il a fait ce qu'il devait faire. Il est revenu. Bon, les gens de Benoît disent qu'ils veulent le voir. Président Laurent Gbagbo, les gens de Benoît veulent vous voir. Pardonnez, venez là-bas. Comme ça, quand vous finissez, vous pouvez vous reposer un peu. Vous pouvez vous reposer même une semaine à Benoît. Reposez-vous un peu. Voilà. Hey, il paraît que les gens là cherchent à aller chez vous là-bas. Si c'est vrai, ouais. Si c'est faux, ouais. Nous, on ne sait pas. Tout ce que nous, on veut la paix dans le pays. On veut la sécurité pour le président Laurent Gbagbo. On veut la sécurité pour le président Henri Konan Bédié. On veut la sécurité pour tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'un n'est pas à créer une psychose d'une manière pour que les gens le peuple aient peur. Nous, on ne veut pas avoir peur. On veut être lucide. Donc, j'espère que Chris Chapi n'est pas en train de nous effrayer. Oh, les amis, Chris Chapi, toi aussi, il faut faire un peu doucement, doucement. Souvent, tu effraies les gens. J'espère que tu n'es pas en train de nous effrayer comme ça. Oh. Mais en tout cas, merci. Affaire, les amis, moi, je vous laisse. Oh. C'était un petit affairage. Chris Chapi dit que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à faire doucement. Oh, parce que les gens là, du restaurant ne sont pas contents. Et que Dao dit, s'il continue là, lui, va le prendre et puis il va le mettre chose dans le coin là-bas. Là. Donc, pardonnez. Nous, on veut plus de tout ça. Là. On est fatigué. On est fatigué. Laissons, on va passer du bon temps. Actuellement, on cherche à voir comment cultiver un peu la terre, hein, vendre nos choses, faire petit business au moins pour avancer. Donc, on n'a pas envie de retourner encore en arrière. Pardonnez, on est fatigué de toutes ces choses-là. Hein. Donc, j'espère que vous avez compris. Il a voulu passer le message en mettant un peu du mou dedans pour ne pas trop effrayer les gens. Et Christ, il m'a donné mal à la tête. Oh, les amis. Yeah! Donc, j'espère que vous n'avez pas mal à la tête. J'espère que j'ai réussi à vous donner l'information sans vous stresser. Voilà. Donc, union de prière, tout ce qu'on peut faire pour le moment. Union de prière.
Union de prière pour la Côte d'Ivoire, union de prière pour tous nos dirigeants, pour le président Henri Konan Bédier, pour le président Alassane Ouattara, pour le président Laurent Gbagbo. Union de prière pour tous les membres des différents partis politiques là. Union de prière pour toute la Côte d'Ivoire. Restons soudés, l'un n'est pas la division. Non. L'union fait la force, donc, oh les queues, on y va! Oh les queues! Si tu es nouveau sur cette chaîne, bonne arrivée, merci d'être là, oui! Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. À tout à l'heure. L'Afrique espère en toi, c'est pour Babou, c'est pour Babou, l'ambassadeur d'Aboudou te salue. Le jeune bananier ne t'a jamais oublié. Est-ce qu'il peut t'oublier même? Oh. Babou, ayo.